Bonjour, alors je vous explique ici comment ajouter un dossier ou un fichier partagé à votre Google Drive personnel. Alors, vous allez dans votre Golf, vous vous assurez tout d'abord que vous êtes connecté avec votre adresse TSDPS. Vous vous rendez dans votre Golf, dans votre Google Drive. Si vous avez reçu des fichiers ou des dossiers qui vous ont été partagés par des collègues, ils se retrouveront dans « Partager avec moi ». Donc, pour ouvrir cette section-ci, vous cliquez dessus tout simplement. Donc, vous voyez que tous les dossiers, documents qui vous ont été partagés se retrouvent ici. Si de votre côté, on vous a partagé un document que vous trouvez important ou un dossier que vous voulez garder dans vos choses, vous devez le sélectionner en cliquant une fois avec votre souris et vous pouvez l'ajouter à votre Drive en cliquant sur le logo et le plus. Donc, on clique et vous pouvez l'ajouter à mon disque. Et allez le classer à l'endroit que vous voulez dans votre Google Disk. Vous pouvez même ajouter un nouveau dossier si vous le désirez. Donc, par exemple, ajouter un raccourci. C'est la première façon de faire. Si c'est plus simple pour vous, vous pourriez également faire un clic droit et cliquer sur « Ajouter un raccourci vers disque ». Alors, les deux fonctions reviennent aux mêmes. Donc, c'est important de l'ajouter à votre disque si vous jugez que c'est important parce que sinon, au fur et à mesure que les gens vous partageront des choses, c'est certain que vous aurez la difficulté à le retrouver éventuellement.